Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un petit cahier. Mon petit cahier qu'on a réalisé avec Claire, Claire Duval, qui a la chaîne Claire de la Lune. Et c'est un cahier de voyage magique pour découvrir le monde des fées. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, on a travaillé ensemble sur le thème des fées avec Claire, puisqu'on a réalisé ce petit coffret ensemble. C'est le tout premier qu'on a réalisé ensemble, j'adore. Et on a continué à explorer l'univers des fées, principalement Claire hein, d'ailleurs, à travers un petit cahier. Alors je vous mets sa référence juste en dessous en barre d'infos, puisque il va sortir dans les jours qui viennent, qui arrivent. Donc voilà, comme ça vous saurez où le trouver. Et c'est un petit manuel en fait, avec tout un tas d'activités qu'a créé Claire. Pour se relier de façon ludique au monde des fées. On a vraiment voulu en fait que ce cahier soit frais, soit léger, soit ludique, surtout par rapport à la période dans laquelle on vit actuellement. On avait vraiment envie en fait de cette légèreté, vraiment de faire quelque chose de très accessible, de très léger. Alors, je vous montre un petit peu. Je ne vais pas tout vous montrer. Alors moi, j'ai réalisé également des petits crayonnés, des illustrations qu'il va falloir colorier. On part en fait dans ce cahier à la découverte des fées, des plantes qui sont très accessibles. Hein. La fée du thym, la fée du basilic, ce sont des plantes que vous pouvez trouver dans votre jardin, que vous pouvez acheter, avoir sur le rebord de votre cuisine, par exemple. Donc tout ça, on a vraiment essayé de créer quelque chose qui soit très accessible. Il y a des petites recettes, des méditations que vous pouvez enregistrer et écouter, des coloriages. Vous avez des endroits où vous pouvez prendre des notes tout au long du petit cahier. On a de quoi faire des tisanes, se faire un petit autel pour les fées, des méditations. Toujours des coloriages. En fait, à la fin de chaque chapitre, on vous a mis un coloriage. Voilà, là, on a le travail des esprits, des racines, un travail d'ancrage avec un coloriage, justement, d'arbres, d'ancrage. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de pouvoir vous montrer ce petit cahier. On l'attendait parce qu'on n'avait encore jamais créé de livre avec Claire. Donc on est habitué aux cartes. Donc les cartes, on voit tout de suite ce que ça donne. On les imagine très bien. Et les cahiers, on savait pas trop encore ce que ça allait donner. Donc vraiment la découverte, le travail de mise en page aussi qui a été fait et tout est très très chouette. C'est une belle réalisation, je trouve. Donc on espère vraiment qu'il va vous plaire, qu'il va vous apporter de la légèreté aussi, de la joie, de la légèreté. C'est un petit cahier que vous pouvez utiliser tout seul ou en groupe avec vos enfants, pourquoi pas. Voilà. Donc on vous souhaite un beau voyage magique. En tout cas, je vous souhaite un beau voyage magique dans l'univers des fées. Au revoir!